Neyse. Pour nous, la vie, c'est du sucre. Attention. À pas trop s'auto-expulser trop loin. La vie, c'est... Alors bon. Le ping-pong. On est rempli de chocolat, on dégouline de chocolat, on roule dans les hauts de Contis, sur la dune. On laisse des grandes traces marron, comme ça. C'est du caca? Non. C'est du chocolat. Là, sur la plage, on voit des milliers de petits trucs qui brillent. Alors, on roule, parce qu'on est gros, on est européen, on est bien. On s'est auto-expulsé nous-mêmes, tout le bonheur, par tous les trous. On s'est auto-expulsé par l'anus, par les oreilles. On a téléphoné à tous nos amis. Avec son œil. Et là, on voit des milliers de petites tables de ping-pong avec des petits Chinois qui jouent au ping-pong très vite. On roule. Et on regarde. Et ils jouent tellement vite qu'on voit pas la balle. Jusqu'au moment où on comprend qu'il n'y a pas de balle. Et là, c'est le réveil. On se réveille. C'est ça la vie aussi. Donc, on va reprendre. Zette. Il faut tout effacer parce que dans cette époque-là, il faut reprendre les choses à nouveau. Là. Quelqu'un qui. Là, j'ai rencontré un mec que j'aime beaucoup, Mohamed, le metteur en scène. Il dit voilà, nous, notre génération nous a dit la révolution n'était pas possible. La révolution, ça ne marche pas. Donc c'est on prend la révolution de l'auto-expulsion en comprenant qu'il n'y a pas de balle. C'est ça qu'il a dit, j'ai pas tout compris, mais c'est intéressant. Enfin bref. La vie c'est un grand ping-pong et aussi. Non. Comme un grand ping-pong. Et après comme du Bollywood. Parce que la vie c'est aussi du Bollywood, putain. Mais pas que là pour se faire chier. Non, on fait ensemble. Tout allait bien, parce qu'attends, on était sur scène, il s'est pris de panique lui-même tout seul. Et là, il s'est con auto-expulsé. La vie, c'est comme un grand ping-pong. Un grand ping-pong, c'est comme ça, la vie. La vie, c'est comme du Bollywood. Yeah. Du Bollywood, c'est comme ça, la vie. L'amour à une femme, je la veux très grande et je la veux très blonde. Et surtout qui sente la rose et la mangue. Les deux autres ont très bien saisi le concept. Et comme un seul homme, ils ont déclaré: viens, on va en Scandinavie. Scandinavie, est-ce qu'il faut pour toi? Quand les trois petits nains bronzés ont débarqué là-bas, ce fut un miracle d'amour et de sensualité. Toutes les femmes du pays se sont comme évanouies. Ce fut un miracle d'amour et de sensualité. Ils firent l'amour à tant de femmes chaudes.